Ok, je continue. Hein. Je continue pour dire que Nafan est chez moi actuellement. Les parents réclament Nafan. Moi, je dis, je ne donne pas Nafan. Voilà, je ne donne pas Nafan s'il n'y a pas d'assurance. Je suis venu pour vous proposer ce sujet-là. Peu importe celui qui va voir ces vidéos, peu importe celui qui va entendre ce que j'ai dit. J'ai besoin de votre conseil ce matin pour voir si moi je dois remettre un enfant. Ou soit je dois garder un enfant, ou soit je dois faire. Parce que ce qui je vais décider avant de donner un enfant, je vais aller au commissariat d'abord. Faire un papier avec eux. Parce que moi j'avais décidé, parce que déjà l'année est en train de finir, bientôt ils vont laisser les élèves. J'avais décidé que l'année prochaine, j'allais la mettre parce qu'elle avait dit que non, elle faisait CE1. Donc l'année prochaine, moi, j'allais la remettre au CE1. Elle allait continuer ses études jusqu'à ce que moi et ses parents, on puisse tomber d'accord. Ou soit, je vais à la police, je fais un papier avec eux. Et puis moi-même, là, je vais suivre un enfant de près ou bien envoyer un enfant dans un ONG et ils vont suivre un enfant de près jusqu'à ce que non, tout rentre en l'ordre normalement. Parce que là, je ne peux pas comprendre qu'il y a des parents aujourd'hui, surtout même là, les garçons, vous allez marier une femme et déjà vous avez fait un enfant avec une autre femme. Cette dernière rentre dans votre maison, l'enfant qu'elle vient trouver là, elle ne veut pas voir l'enfant. Vous êtes assis là gaillardement, vous ne pouvez rien dire. Mais ça veut dire, je ne comprends pas. Pourquoi cet enfant-là n'est pas demandé à venir au monde? C'est toi qui l'as mis au monde. Aujourd'hui, sa maman n'est plus. Tu t'es remarié. Donc, fais en sorte que la femme qui va venir à la maison là, va s'occuper des enfants, va prendre bien soin des enfants comme les autres enfants. Mais tu ne le fais pas. Tu es assis là, elle maltraite un enfant, toi tu es assis, tu es content. Jusqu'à un enfant même, la tellement qu'un enfant même n'est pas supporté, au dernier moment, l'enfant s'est retrouvé dans la rue, en train de mendier, manger. Si elle n'a pas trouvé de manger à manger, elle va faire comment? Elle va aller manger dans la poubelle. Mais ça c'est sûr. Mais je ne comprends pas aujourd'hui là. Pourquoi même là, notre famille, dans notre cour commune, dans certains coins, pourquoi on est devenu comme ça? On est insensible. On ne veut pas aider l'autre. On ne veut pas aimer l'autre. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas aimer l'autre? Et demain, quand on a un problème, on crie, oh Dieu. Quand tu vas crier, oh Dieu, là, Dieu a fait quoi? Ce qui t'a cherché, là, c'est ce qui t'a eu. Donc, moi, je vais dire à les parents, surtout nous, les hommes aujourd'hui, là, on est là, on n'a qu'à prendre notre responsabilité dans notre foyer, chez nous, à la maison. Les enfants que les femmes viennent maltraiter chez nous, on est responsable parce qu'un homme est là pour prendre la responsabilité de chez lui à la maison. Parce qu'il ne veut pas laisser un enfant innocent qui n'a rien à voir avec quelque chose, quelqu'un d'autre va venir et puis elle va venir chasser ce dernier-là qui va se retrouver dans la rue en train de devenir coupe et puis dire folle même. Voilà. Donc, vraiment, qu'on arrête. Et mes amis, ce matin, c'est moi qui vous donne conseil, mais aujourd'hui, là, moi, je suis venu vous demander conseil. Nafan, je dois remettre Nafan à la famille ou non? Ou soit, je vais avec les parents à la police, je fais un papier et je remets Nafan pour qu'il suive Nafan. Jamais s'il y a un problème, je dois le convoquer à la police. Bien sûr que Nafan n'est pas pour moi. Mais aujourd'hui, là, je suis concerné parce que c'est moi qui ai entretenu l'enfant. Et peu importe où vous allez voir ces vidéos-là, envoyez votre commentaire. Si c'est bon ou pas, donnez-moi des idées pour qu'ils puissent savoir ce que je vais faire. Pour le moment, je vous attends, mes amis. J'attends votre commentaire et je vais savoir ce que je dois faire. Et c'est vous qui allez m'aider à m'orienter pour qu'ils puissent sauver cette petite fille-là. Voilà. Comme aujourd'hui est vendredi, je ne vais pas être long. Salam alaikum à vous. Et big up, je vous salue, peu importe où vous êtes. En tout cas, bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous donne longue vie. On est ensemble. Mais n'oublie pas de partager toutes les vidéos que je vous envoie. N'oublie pas de partager. Et surtout, tapez sur la petite cloche. Vous allez recevoir toutes les vidéos que je vous envoie. Je vous attends pour des idées pour qu'ils puissent prendre une autre décision. Parce que lundi, il doit prendre une décision pour cette petite fille. Alors, je vous attends. Bonne journée à vous.